Bonjour mes chéris, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Chez moi aujourd'hui ça va bien et tout se passe bien. On va dire Dieu merci. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo, hein, une vidéo un peu spéciale. C'est voilà une sœur comme d'habitude qui m'a raconté son histoire et elle aimerait avoir des conseils parce que selon elle, elle n'arrive plus à... Merci mon mari. Voilà, en fait, elle n'arrive pas à trouver des solutions. Elle est à bout et elle ne sait pas comment faire. Le truc, c'est que elle a vécu pendant un bon nombre de temps avec quelqu'un. Hein? Elle a vécu avec quelqu'un pendant un bon nombre de temps avec qui ils ont eu deux enfants. Aujourd'hui, les enfants sont un peu grands. Et ils sont séparés, ça fait 3 ans, mais ça fait 2 ans que le monsieur il est en couple avec une autre. Et elle dit que depuis qu'il est en couple avec cette dernière, bah il a complètement changé. Avant, malgré leur rupture, il était présent. Hein? À chaque fois qu'elle avait un souci, il était là. Voilà. Moi, j'ai posé la question de savoir s'il s'occupe toujours des enfants. Elle m'a dit que de ce côté, il n'y a pas de problème. Il s'occupe très bien des enfants, donc elle n'a rien à lui reprocher à ce niveau. Mais le souci, c'est que non seulement sa nouvelle copine, elle pense que sa nouvelle copine est à l'origine de leur problème, que c'est à cause d'elle qu'ils sont séparés. Moi, j'ai demandé si, puisque ça fait 3 ans qu'ils sont séparés et que ça fait 2 ans qu'il est avec cette dernière, elle me dit non, elle pense que avant qu'ils ne se séparent, elle pense qu'ils étaient déjà en contact parce que à une certaine période le mec avait changé et donc voilà. Et donc elle me demande de faire une vidéo, de demander des conseils. Est-ce que parmi nous il y a des personnes qui ont vécu ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui vivent ça? Elle pense que le monsieur a été envoûté. Hein, elle dit que elle pense qu'il a été envoûté parce qu'elle ne reconnaît plus du tout le père de ses enfants. Elle ne le reconnaît plus. Et donc, voilà, elle aimerait avoir des conseils, des avis de nous tous. Donc, voilà le sujet d'aujourd'hui. Voilà, bon. Les filles, comme d'habitude, je vous demande de commenter en bas pour celles qui ont déjà vécu des histoires similaires. Voilà, celles qui n'ont pas encore vécu, ce n'est pas grave, mais si vous pouvez, n'hésitez pas de donner votre point de vue, histoire de s'entraider en fait, hein, parce que il y a des sujets que je ne pourrais peut-être pas donner toutes les réponses. Entre-temps, si on est ensemble, si on travaille ensemble, je pense que nous allons toutes sortir de là avec le sourire, hein, parce que des fois c'est compliqué, des fois j'ai peur de dire n'importe quoi au risque d'être voilà, de ne pas faire ce que j'ai à faire. Donc voilà. La sœur dit qu'elle ne dort plus. Elle dit que ils ont même atteint le stade où quand ils la voient, c'est limite chien et chat. Elle dit que elle n'a pas refait sa vie depuis 3 ans. Elle n'a pas refait sa vie parce que pour elle, voilà, le mec, il est toujours présent. J'ai demandé, mais est-ce que vous avez eu des problèmes? Qu'est-ce qui vous a séparé? Tout ça. Elle dit non. Du jour au lendemain, il a commencé à devenir bizarre. Et un bon matin, il a décidé de partir. Voilà, il est resté comme ça 1 an. Quand il est parti, tout allait bien. Mais au fur et à mesure, la situation se dégradait. Elle dit que les enfants, quand les enfants partent passer le week-end chez leur papa, les enfants n'ont pas le droit de parler d'elle. Parce que plusieurs fois, sa fille est venue dire des trucs genre que Tati, l'autre jour, quand on parlait de toi, Tati a mal regardé papa, nanani, nanana, vous voyez un peu le genre. Hein? Donc c'est ça. Maintenant, il faut qu'on l'aide. Voilà. Donc les filles, si parmi vous, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je ne vais pas me répéter. Donc voilà, les filles. Je vais boire un peu. C'est de la grenadine. Excusez-moi les filles. Donc voilà. Moi, je vais répondre à ma façon. Hein? Je vais donner mon point de vue. Et voilà. Ma chérie, je te donne mon point de vue en tant que neutre. Hein? Parce que c'est justement pour ça que tu es venue m'expliquer le problème. Parce que tu sais
que je suis neutre. Donc forcément, je vais te dire ce que je pense. Je vais pas dire des trucs pour te faire plaisir ou pour faire plaisir à X, Y. Non. Moi, je réponds en fonction du problème qu'on m'expose. Hein? Donc c'est ça ton problème. Je vais te répondre. Je pense personnellement, je pense que c'est toi qui as un problème. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que c'est toi qui as un problème. Parce que je ne peux pas comprendre que, je ne peux pas concevoir qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans que tu es séparé de quelqu'un, mais tu parles de lui comme si vous étiez toujours ensemble, en fait. 3 ans, c'est 3 années. Et aussi, elle m'a mentionné que la fille ne peut pas faire d'enfant. La fille en question, la fille avec qui son copain actuel est, ne peut pas faire d'enfant. Que peut-être que c'est pour ça que Dieu ne lui donne pas d'enfant. Voilà, c'est ce qu'elle a écrit. Donc, je pense que le problème, sincèrement, hein, ma chérie, ne le prends pas mal, hein, on est en famille, on forme une famille. Bon, sincèrement, je pense que le problème vient de toi. Je pense que tu n'es pas gentil. Excuse-moi, ne le prends pas mal. Hein, ne le prends pas mal. Je pense que tu n'es pas gentil. Parce que la fille en question, tu ne la connais pas. Hein? Je t'ai demandé si tu connaissais la fille. Tu m'as dit non, je ne la connais pas. Tu ne la connais pas, mais tu te permets de la juger, en fait. Tu dis que tes enfants sont venus te dire qu'à chaque fois que papa parle de toi, elle regarde papa de travers, genre machin. Mais quelle est la femme, même toi, ma soeur? Aujourd'hui, tu n'es plus avec le monsieur. Mais tu parles de sa nouvelle copine que tu ne connais pas. En fait, tu es en train de casser, en fait. Tu casses la nouvelle copine de ton copain, de ton ex, parce que vous n'êtes plus ensemble. Et ça fait officiellement 2 ans que ce dernier est avec sa nouvelle copine. Pourquoi tu en veux à cette fille? En fait, j'aimerais savoir pourquoi tu en veux à cette fille. Qu'est-ce que cette dernière t'a fait? La personne, parce que vous savez, des fois, hein, des fois, certaines personnes, certaines filles, certaines, tout, hein, il y a un peu de lumière, il y a un peu de soleil là. Aujourd'hui, il fait beau chez moi. Je remarquais en fait que certaines filles vivent avec leur passé. Ma soeur, ce que tu dois savoir, c'est que un homme, quand il aime une femme, un homme, quand il t'aime vraiment, genre, il t'aime là, hein, aucune autre femme ne peut venir faire en sorte que ce dernier te quitte. Un homme, quand il t'aime vraiment, aucune autre femme ne peut venir faire en sorte que ce dernier te quitte. Si un homme te quitte du jour au lendemain pour une autre, faut savoir que ça n'a rien à voir avec cette dernière, hein. C'est peut-être quelqu'un, il avait accumulé, 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 accumulé. Des fois, ça n'a rien à voir avec toi. Mais les hommes, ils réfléchissent pas comme nous. Moi, je donne mon point de vue. Et après, n'hésitez pas aussi d'écrire là en disant que non, la chichi, ce que tu racontes, voilà, n'hésitez pas. Mais moi, je donne en fonction de ce que je pense. Moi, je pense que quand un homme aime vraiment une femme, un homme qui est bien avec sa copine, je ne vais pas dire qu'il ne va pas tromper. Parce que on dit que les hommes, ils réfléchissent pas comme nous. Hein, ça ne veut pas dire que j'encourage, ça ne veut pas dire que je demande d'aller voir ailleurs. Ça dépend de la relation que chacune de nous a avec son copain ou son mari à la maison. Mais si ton homme, genre tout se passe bien, il t'aime, te quitte du jour au lendemain pour aller se mettre en couple avec une autre, ma soeur, ça veut dire que lui, il ne voulait plus rester avec toi. Ça n'a rien à voir avec cette fille. Donc, je vais revenir à celles qui sortent avec des hommes mariés là. Quel que soit ce que vous allez faire, les filles, quel que soit ce que vous allez dire, hein, il vous dit qu'il va quitter sa femme pour, non, t'inquiète pas, je vais la quitter. Ma soeur, tant que lui-même, il n'a pas décidé de quitter sa femme, quel que soit ce que tu vas lui dire là, il va jamais quitter sa femme pour toi. C'est pareil comme la soeur. Si il est parti, ça n'a rien à voir avec cette fille. Tu parles de non, tu as l'impression que non, il a même été envoûté parce que ça fait 2 ans que il a changé. Mais c'est normal. 3 ans,
Vous êtes séparés, ça fait 3 ans. Il est resté 1 an, il était présent dans ta vie, tu l'appelais à n'importe quelle heure, nanani, nanana. Voilà. Aujourd'hui, il s'est remis en couple, mais c'est tout à fait normal qu'il ne soit plus assez présent dans ta vie. Qu'est-ce que ça a à y voir avec cette fille? Hein? Et beaucoup de filles font ça, les filles. Arrêtons ça, les filles. Arrêtons. On se fait trop de mal là pour rien à cause des hommes là. Beaucoup de filles font ça. Beaucoup de filles font ça. Une fois qu'elle est séparée avec le mec, ça y est, elle déteste la nouvelle copine du mari, du gars. Si c'est ta copine, si c'est ta soeur, si c'est ton ancienne voisine ou quelqu'un que tu connais, ok. Mais tu ne connais pas la fille, ni d'Adam, ni Ève, ni d'Ève. Et même si que tu connais la fille, ben essaye de revoir l'histoire. Comment ça s'est passé? Parce que ça peut arriver, hein? Ça arrive aussi. Hein? Il y a eu des histoires comme ça où tu es avec la personne. Et la fille qui te disait souvent bonjour, du jour au lendemain, elle se met avec ton chéri. Hein. C'est déjà arrivé. Hein. Je ne dis pas que c'est encourageant, mais ça arrive. Là encore, tu peux dire non, mais elle me disait bonjour alors qu'elle calculait mon mec. On va tous critiquer, on va tous saboter la fille, quoi. Mais là, tu ne connais pas la fille. Tu n'as jamais vu la fille. Vous n'avez jamais eu de relation. Hein? Tu ne la connais pas. Tu sais seulement qu'elle vit avec elle. Et le fait que les enfants viennent te dire que non, à chaque fois que papa parle de toi, Tati, regarde mal papa. Tu vois, ça veut dire que tu mêles même tes enfants à ça. Les problèmes des adultes ne regardent pas les enfants, les filles. Les problèmes des adultes ne regardent pas les enfants. Ça veut dire que tu emmènes même tes enfants à espionner leur papa. Tu emmènes tes enfants à espionner la nouvelle vie de leur papa. Tu vois, tu es déjà en train de transformer tes enfants en apprentis sorciers. Ça, c'est la sorcellerie. Hein? C'est sûr que la fille l'a envoûté. Tu parles d'envoûtement, peut-être que toi-même tu es dans ça. Parce qu'il faut une personne qui touche, il faut une personne qui a l'habitude de pratiquer pour tout de suite voir que son mari a été envoûté, quoi. Quand vous étiez ensemble, c'est parce que tu vois, des fois, moi quand on me donne des histoires, j'évite de. Bon, pas que j'évite. Sur le coup, voilà, je pose pas. J'ai pas forcément le temps de poser toutes les questions. Si, voilà. Quand vous étiez ensemble, tu es sûr, ma chérie, tu es sûr que c'est du jour au lendemain comme ça qu'il est parti? Vous n'avez pas eu de problème, rien. Hein, il s'est levé un matin, après avoir eu 2 enfants avec toi. Il se lève un matin, il va se mettre en couple. Ou bien il se lève un matin, déjà, il te quitte, il n'est pas avec la fille. Moi, je pense qu'il t'a même respecté, parce qu'il y a des gens, dès qu'ils te quittent, le lendemain, il est déjà avec une autre. Mais toi, dans ton cas, il t'a quitté. Il t'a quitté, mais il a attendu avant d'aller se mettre en couple. Il a attendu 1 an. Ça fait 3 ans, mais aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il est en couple. Mais je pense que il est gentil, hein, mon beau-frère. Oui, mon ancien beau-frère, là. Hein? S'il a changé, essaye de te mettre à la place de la fille, ma chérie. Depuis, tu n'arrives pas à te mettre en couple parce que tu espères reconquérir le gars. Voici pourquoi tu viens m'expliquer le problème. Moi, je suis pas là pour. Moi, les filles, attendez. Moi, je ne suis pas là pour le désordre. Hein. Moi, je ne suis pas là pour le désordre. En fait, certaines personnes vont penser que comme nous sommes des femmes, non. Même si que tu m'exposes un problème, moi, je fais la part des choses. Je suis une femme avant tout. Hein. Je suis une femme avant tout. Quand je donne des conseils, c'est parce que je donne en fonction de comment je vois l'histoire. Mais je n'oublie pas que moi-même, je peux être victime de l'une des histoires que je raconte là, en fait. C'est pour ça que je ne vais pas dire n'importe quoi. Hein? Moi, je suis mariée. Voilà, on va dire qu'aujourd'hui, tout se passe bien avec mon mari, tout ça. De ce côté, il n'y a pas de problème. Mais on ne sait pas de quoi est fait demain. Hein? On ne sait pas de quoi est fait demain. Il n'y a que moi qui peux vous dire ce qui se passe dans mon couple. Si ça va, si ça ne va pas. Demain, je touche du bois. Si mon mari part. Ouais. Quel que soit ce que je vais raconter aux gens, mais la vraie version, je serai la seule à la connaître. Donc, toi, tu connais la vraie version. Tu sais pourquoi ton mari est parti, ton copain, tu sais pourquoi il est parti. Vous avez vécu ensemble pendant un temps, vous n'étiez pas mariés. Tu viens dire que non, en plus de ça, c'est peut-être pour ça que le bon Dieu ne donne pas l'enfant à cette fille. Tu vois un peu cette façon de parler là, les filles, arrêtons ça. C'est de la méchanceté gratuite en fait. Hein. C'est de la méchanceté gratuite. Tu vois, tu es déjà en train de toucher. Les côtés qu'il ne faut pas. Tu es rempli de haine vis-à-vis d'une personne que tu ne connais pas, ma chérie. Libère ton esprit là. Parce que tu es en train de te faire mal. Ce n'est pas parce qu'on a eu des enfants avec quelqu'un
que ce dernier ne doit pas se remettre en couple avec une autre personne. Si tu as un problème à régler, moi je pense que tu devrais régler ce problème avec ton ex. Hein? Quand tu l'appelles, il ne répond plus. Mais tu l'appelles pourquoi? Il s'occupe encore des enfants. Qu'est-ce que vous avez en commun? Vous n'étiez pas marié, vous avez eu des enfants. Qu'est-ce que vous avez en commun à part les enfants? Et pourtant, il s'occupe des enfants. Il faut qu'on arrête ça. Les filles, il faut qu'on arrête ça. Et des cas comme ça, il y en a beaucoup. Beaucoup de filles font ça. Des cas comme ça. Beaucoup de filles font ça. Une fois que le mec lui quitte, le mec la quitte, hein, ça y est, voilà, toutes les personnes, il y en a qui détestent même, il y en a, elle est séparée du gars, ça fait des années, plusieurs années qu'ils sont séparés, mais à chaque fois que le gars se met en couple, elle voit l'ennemi. Pour elle, toutes les personnes qui vont venir après elle, là, malgré que ces personnes n'étaient pas forcément à l'origine de leurs problèmes, tout de suite, cette fille deviennent ses ennemis. Mais pourquoi? Est-ce que c'est bien comme ça, les filles? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Arrêtez ça. Hein, ma soeur? Libère ton esprit. C'est un enfant. Les hommes, ce n'est pas des enfants. Les hommes, c'est des acteurs. Hein? Ma chérie, les hommes, c'est des acteurs. Donc, si tu penses qu'il a été envoûté, ben, va le désenvoûter. Quelle qualité d'envoûtement? Donc, il n'a pas le droit de vivre avec une autre. Il n'a pas le droit de se remettre en couple. Il n'a pas le droit. Hein, ma chérie? Il faut arrêter ça. Hein? Il faut arrêter ça, ma belle. Donc, c'est ça, les filles. Hein? Toutes les filles qui font ça, là. Toutes les filles qui font ça. Tu n'es plus avec le gars, mais tu passes ton temps à pourrir la vie des filles qui vivent avec le gars. Jusqu'envoyer les enfants. Tu envoies les enfants aller espionner ton couple, leur papa. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Hein? Ton passé, tu vis avec ton passé. Tu as vécu avec quelqu'un pendant tant d'années. Mais refais ta vie. Tu as vraiment envie de récupérer ton gars? Ma chérie, si tu veux récupérer ton copain, refais ta vie. Trouve-toi un bon titre là. Refais-toi. Je parie même que tu dis que tu t'es même laissé aller parce que tu espères qu'il va revenir. Non. Si tu veux vraiment le reconquérir, hein, si tu veux que ce gars s'intéresse à toi à nouveau, ma soeur, refais ta vie. Il va s'intéresser à toi, même si que ce n'est pas sur le plan genre que vous devez vous remettre ensemble, mais il va voir que tu t'en fous de lui en fait. Et s'il est fait pour toi, peut-être que vous allez vous remettre ensemble. Peut-être. Si vous ne vous remettez pas ensemble, au moins tu as refait ta vie, tu continues ta vie. Hein? Tu libères l'esprit d'autrui. Libère l'esprit d'autrui, c'est comment? Tu vas m'expliquer un problème bizarre comme ça, c'est quoi? Tu crois que j'allais te dire quoi? Que la fille, c'est une sorcière ou bien... Non. Non, tu connais pas la fille. Ton histoire, pour moi, je sais même pas quoi dire, en fait. Hein? J'ai abordé ce sujet parce que, voilà, je me suis dit que bon, depuis, tu n'arrives pas, oui, tu comptes, mais ne m'oublie pas. Oui, je t'ai pas oublié, mais voilà, ton histoire, pour moi... Je pense que le problème vient de toi. Je pense que c'est à toi de faire un travail sur toi. Accepte que ton ex est parti. Accepte. Déjà, tu ne devrais même pas parler de lui comme tu parles là. Parce que vous n'êtes plus ensemble. Ça fait 3 ans. Lui, il a refait sa vie. Que sa nouvelle copine lui fasse un enfant ou pas, ça ne te regarde pas. D'abord, tu sais ça comment? Juste parce que ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble et que cette dernière ne lui a pas encore donné d'enfant. Que tu te permets de dire, je comprends pourquoi le bon Dieu ne lui donne pas d'enfant. Mais c'est pas gentil de parler comme ça, ma soeur. Ce n'est pas gentil. Tu n'es pas gentil. Hein? Tu n'es pas gentil. On ne parle pas comme ça. Ça peut arriver que des fois, la fille, elle est à l'origine de vos problèmes. Mais quelle qualité d'origine même? Les hommes, c'est des enfants. Un homme, ce n'est pas un enfant. Quelle est la fille? Vous vivez ensemble. Hein? Tu es bien dans ton couple avec ton mari. La fille va peut-être réussir à le séduire pour qu'il parte un peu. Mais jusqu'à faire en sorte qu'il te quitte, attendre 1 an avant de se mettre avec elle, c'est quelle fille qui peut faire ça, ma chérie? Quand toi-même tu regardes l'histoire, est-ce que tu trouves que c'est ça colle? Est-ce que tu trouves que ça colle? Ça ne colle pas du tout. Donc, il faut arrêter ça. D'accord? Il faut arrêter ça, les filles. Arrêtez ça. Arrêtez de voir le mal partout. Hein? Tu n'es plus avec le gars. Trouve-toi un nouveau gars. Ce n'est pas le seul homme sur terre.
C'est le seul homme. Non, c'est pas le seul homme sur terre. Donc, tu peux trouver mieux. Tu peux trouver quelqu'un d'autre. Si vous êtes fait pour être ensemble, peut-être qu'un jour, il reviendra. Mais pour l'instant, laisse-le vivre sa vie avec sa nouvelle copine. Tu ne nous as pas dit ce que tu l'as fait. Moi, tu ne m'as pas dit ce que tu l'as fait. Qu'est-ce qui a poussé ton mari à quitter la maison du jour au lendemain? Qu'est-ce qui l'a poussé à partir? T'es sûr que quelqu'un va... Tout se passe bien et il part comme ça du jour au lendemain? Vous croyez que les hommes sont différents de nous? Une femme, quand elle est avec un homme, hein, si elle part comme ça du jour au lendemain, on se connaît, on sait que c'est parce qu'elle a peut-être trop accumulé ou elle a trouvé mieux. Mais même pour cela, il y a quand même des procédures. On a une façon de faire qui fait que tu vas prévenir ton copain ou ton mari, tu vas le prévenir une fois, deux fois, trois fois. Et le jour que ça n'ira plus, voilà, tu vas partir. On ne se lève pas comme ça, on dort, on se réveille le matin, je pars sans problème, sans rien. C'est à moi que tu veux faire les péchés. Ma soeur, moi je ne parle pas n'importe comment. Hein. Moi quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Donc ton histoire là, ma soeur, pour toi, je vais parler pour toi. Hein, faut que tu fasses un travail sur toi. Hein, va t'inscrire dans les sites de rencontres. Trouve-toi un nouveau copain. Ou bien si tu as des copines, sors, reprends la vie. Hein, enlève ton ex dans ta tête. Accepte qu'aujourd'hui, il vit avec quelqu'un d'autre. Ne mêle pas tes enfants à ça. Si tu es toujours amoureux de leur papa, c'est ton problème. Ça n'a rien à voir avec les enfants. Tant qu'ils s'occupent des enfants, ne l'embête pas. Hein? Cette fille-là, laisse-la tranquille. Quand tes enfants vont passer le week-end, à part te dire que non, un jour papa avait parlé de toi, nanani, nanana, à part te dire ça, tes enfants t'ont dit que cette fille leur maltraitait? Non. Donc, ça n'a rien à voir avec eux. C'est toi le problème. C'est toi le problème, ma soeur. Faut arrêter ça. Oh, c'est quoi ces mêmes? Ça, faut arrêter ça. Faut que tu te trouves un nouveau copain. Ou alors, je ne sais pas si tu travailles, je ne sais pas ce que tu fais, mais revois-toi en fait. Hein. Revois-toi, essaye de... Voilà, trouve-toi quelque chose à faire, quoi. Faut arrêter. Elles sont nombreuses comme ça, là, pourrir la vie de leurs ex. Vous pourrissez la vie de vos ex. Tu n'es plus avec la personne. Tu pourris sa vie, pourquoi? Hein? Beaucoup de filles font ça. Il y a beaucoup de filles qui font ça. Dès que tu discutes avec elles, elles vont toujours en train de prendre des exemples sur leurs ex. Oh, moi, je t'ai dit que quand j'étais avec mon ex, là, je t'ai dit que si tu vois sa nouvelle femme, là, une bonne vilaine. Toujours des raisonnements bizarres. C'est une bonne vilaine, mais c'est elle qui a pris ton mari. Hein? Oh, sa nouvelle femme, là, est comme si elle ne machin. Depuis que... C'est quoi? Pourquoi vous faites ça? Vivez vos vies, arrêtez de vous occuper de la vie des autres. Ma soeur, arrête ça. Si tu viens me dire ça, moi, que tu ne connais pas, hein? Si tu viens m'expliquer ce genre de problème alors que tu ne me connais pas, ça veut dire que tu as déjà dû raconter ça à toutes les personnes que tu connais. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ma soeur. Ce n'est pas bien. Donc, libère ton esprit. Libère le pauvre monsieur. Arrête d'embêter la pauvre fille. Et vis ta vie. Pense à toi. Tu es une femme. Si tu es vraiment une femme, trouve-toi un autre homme. Montre à ton copain que tu peux trouver mieux que lui. C'est comme ça qu'on fait. Une fois que tu vas lui montrer que tu peux trouver mieux que lui, peut-être que là, il pourra répondre à ton coup de fil. C'est normal, peut-être que tu es... C'est comment? C'est quoi? Donc voilà les filles. C'était ça ma vidéo. Hein? Beaucoup font ça. D'accord? Les filles, si vous prenez les ex des autres, hein, sachez que vous ne leur devez rien. On est tous l'ex de quelqu'un. On est tous avec l'ex de quelqu'un. C'est comme ça la vie. Ce qui n'est pas bien, c'est d'aller comploter pour que ce dernier... En fait, c'est de participer à la séparation d'un homme et de sa femme. C'est ce qui n'est pas bien. Quand tu participes, en fait. Hein, tu sors avec quelqu'un, il est marié, mais tu l'excites à quitter sa femme. Déjà, le fait même de sortir avec un homme marié, c'est déjà une façon de participer à la destruction de sa vie de couple, en fait. Ok, ce n'est pas vous qui l'avez appelé, mais le fait de savoir qu'il est marié et de sortir avec lui, il est marié, il a une vie de famille, peu importe, il va venir vers vous, peut-être qu'il est malheureux, ben conseillez-le d'aller, voilà, il y a des trucs qu'on peut dire à un homme pour qu'il essaye de retrouver confiance à sa vie, en fait.
Mais si vous n'êtes pas à l'origine, tu ne sais pas, voilà, tu l'as trouvé, il est célibataire, et du jour au lendemain, son ex-femme te pourrit la vie, tu vois avec lui. C'est à lui de régler ça. Donc, celle qui est en train de chanter partout, là. Oh non, c'est sûr qu'elle l'a fétiché, machin. C'est toi qui fétiche, ma soeur. Quel fétiche même. C'est quel fétiche qui peut. Vous n'avez pas encore compris. Un jour, vous allez comprendre. Quel fétiche? Les filles, c'est quel fétiche? Le fétiche qui va faire que ton mari te quitte avec deux enfants. Tout va bien, il va se mettre avec une autre. Ça n'existe pas. Moi, je vous dis ça. L'homme, il te quitte avec tes deux enfants, il va se mettre avec une autre. Ça veut dire qu'il voulait te quitter. Il avait ses autres plans. Tout ne peut pas aller bien dans ton couple et ton mari part comme ça du jour au lendemain. Faites l'expérience pour toutes les filles qui couchent avec les hommes mariés là. Tu sors avec un homme marié, va voir un féticheur. Si cet homme est comment dire, s'il n'a pas de problème avec sa femme, peu importe ce que tu vas faire, crois-moi qu'il ne quittera pas sa femme. Tu vas attendre que les choses se dégradent encore plus dans son couple avant qu'il ne vienne se mettre avec toi. Il y en a qui attendent là. Il y en a qui ont même attendu plus de 10 ans. Elle est toujours avec l'homme. L'homme lui dit, je vais quitter. T'inquiète pas, je vais quitter ma femme, je vais quitter ma femme. C'est une chanson. Quand il arrive chez lui, sa femme ne sait même pas qu'il va voir ailleurs. Donc, vous espérez pour rien. C'est pareil comme celle qui pense que, voilà, elle est tout allée bien dans son couple, mais l'autre fille a fait des fétiches pour que... non. Oh, vous aussi, on est en 2019. Oh. Donc, voilà, les filles. Ma vidéo est finie, hein. Je reviendrai très prochainement avec un nouveau sujet, hein. Ma soeur, je ne sais pas, j'ai pas de problème avec toi, hein. En tout cas, moi, je t'ai donné la réponse en fonction du problème que tu m'as expliqué. Trouve-moi un nouveau beau-frère, là. Trouve-moi un nouveau beau-frère. Tu te trouves un nouveau chéri, tu vas voir que ton mari, là, plutôt ton ex, là, ton ex, hein, il va lever la tête comme ça. S'il est fait pour toi, hein. S'il n'est pas fait pour toi, tu comprends, non? Il va continuer sa vie. S'il est fait pour toi, il va lever la tête que oh. Mais s'il n'est pas fait pour toi, quel que soit ce que tu vas faire, tu comprends, non? Quel que soit ce que tu vas faire, tu ne vas jamais le récupérer. Donc, c'est ça. Les filles, je vous fais des gros bisous. Je remercie toutes les personnes qui sont nouvellement abonnées. Hein, je vous remercie. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Merci aux personnes qui partagent mes vidéos. Merci beaucoup. Et je reviendrai très bientôt avec un nouveau sujet. Hein? Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous mes puces, bisous mes copines, bisous mes soeurs, bisous la famille. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bisous.